Bonjour tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des 4e D de Saint-Odile, promo 2022. Suivez notre apprentissage, matière par matière, avec ce vlog audio. Nous vous ferons réécouter nos travaux et découvertes. C'est parti! Hola en el segundo episodio dedicado al español. En classe, avec Madame Delporte, nous avons écrit un texte présentant notre routine du matin et du soir. Avant ce travail, nous avons réalisé des exercices de dialogue, ce qui nous a aidés sur la prononciation des mots et de l'étude du vocabulaire complexe. À travers cette routine, nous avons appréhendé les notions liées à la temporalité. Pour finir, nous avons restitué ce travail individuellement à l'oral et sans les notes. Pour cet épisode, nous souhaitons vous raconter ces routines en duo ou trio afin de construire un dialogue et de partager nos routines avec les autres personnes de la classe. Primero despierto a las 7 de la mañana. Después desayuno a las 7 y cuarto. Salgo de mi casa a las 7 y media. La clase comienza a las 8 menos 5. Como a las 12 y media. La clase se termina a las 13 y media de la tarde. A las 6 y media comienza los deberes. En la 7 y media como. Me acuesto a 9 de la tarde. Me levanto a las 7. Primero me visto. Después desayuno 2 tostadas. Luego salí de mi casa a las 7 y media. Voy al cole en coche. Me comienzo a las 8 menos 5. Y terminan a las 5 menos 4. Vuelvo a mi casa en coche a las 5. Después hago mis deberes. También naviga por internet. Luego cena pronto, voy a la cama a las 10 y duermo. Por la mañana me despierto a las 7 y me levanto a las 7 y cuarto. Me despierto sola con mi móvil. Primero me ducho y me desayuno una tostada con chocolate y un chocolate con leche. Voy al cole en coche a las 7 y media. En Saint-Odila, las clases comienzan a las 8. Después de la escuela a las 3 y media. Vuelvo a casa a ir andando. A casa me estudio y voy navigo por internet. Por fin voy a comer con mi familia y voy a la cama. Primero me despierto a las 7. Me levanto a las 7 y 2. Es mi mamá que me despierto. Desayuno con leche y cereales. Me ducho a las 7 y media. Luego me cepillo los dientes. Voy al colegio en autobús. En Santa Odila las clases comienzan a las 8. A continuación voy al recreo. Por fin termino 15 y 30. Las clases se terminan a las 12 y 5. Réaliser ce travail a enrichi notre vocabulaire. Nous avons découvert les routines des autres élèves et profité d'une ouverture sur d'autres pratiques de vie. C'est toujours intéressant de connaître un peu plus ses camarades. Nous avons amélioré notre prononciation et nous espérons un jour pouvoir tenir une conversation. Échanger nos routines avec les autres élèves de la classe nous a amené à effectuer un petit bilan de notre quotidien. Certains élèves souhaitent changer des aspects de leur vie, faire plus de sport, installer des temps dédiés à la musique, le rangement, la famille. D'autres élèves, en revanche, se sont confortés de leurs habitudes. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion. On se retrouve dans le prochain épisode.